L'album est sponsorisé par Nestlé, qui promeut à l'époque son Nescafé frappé. Contrat qui sera d'ailleurs à l'origine d'une brouille entre Lamine et certains membres du groupe. Par ailleurs, Maslabi marque la fin de l'aventure pour Alioune Minder qui, selon ses dires, se sent de plus en plus à l'étroit au Lemzo Diamolo. L'immense tournée qui suit se fait donc sans lui et il est remplacé par Momodou Lamine Maiga, définitivement. La choriste Maimouna Johnson est recrutée pour pallier le départ de Madaba. Ce départ du chanteur phare de Lemzo ne les empêche pas de garder une certaine popularité. Et ils vont réussir la prouesse de sortir le tube de l'année 1995 sans véritable lead vocal. En effet, quand le morceau Simb paraît, issu de la cassette éponyme, personne ne se doute que le morceau sera construit sur fond de Bach et de Tasso, interprété par les percussionnistes Alié Faye et Moussa Traoré. Lamine Faye, toujours au sommet sur le plan technique, intégrera dans ce chef-d'œuvre une de ses plus belles mélodies, jouée avec une guitare légendaire, la 12 cordes Guild.